Et maintenant, le soumettre. Regarde le Sandwich à la balance de tout, mesdames et messieurs, on entend l'inquiété à 10 km autour de ce cliff. Les combattants ne se retiennent pas, ils ne font pas semblant. Ils mettent leurs ultimes forces dès le début de la bataille. C'est impressionnant. Et malgré la balance de coups que prend chaque combattant, il reste debout, il reste stoïque et il tient bon. Je n'en reviens pas. Là des astères ont perdu son arme désarmé. Il semble être. Il a fait être procès au sol, mais là il va se dégager. Il est au bon sang une main, c'est peut-être pas l'idéal pour lui. Il n'a pas le droit de tenir son cochon d'ailleurs. Je suis ébaubi devant la résistance des combattants, étant donné la balance, la violence du coup qu'ils traînent. Il reste debout, il ne cède pas, mesdames et messieurs. Il ne cède pas dans tous. C'est impressionnant. Voilà les deux renards au centre. Très bonne transition de la part de Grimaldi Lites sur l'adversaire au sol. Ils sont à deux sur le capitaine. Oh, le capitaine Pierre-Emile Harris, Mathieu, pardon, ses armes est incroyable. Ils sont à 4 contre 4. Soyons d'imaginer le temps qu'ils vont passer à déposer leurs armures à la fin de ce tournoi. Salut avec acharnement. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à les encourager. C'est incroyable de voir ce que nous voyons. Un autre combattant des Ardennes au sol. Une double chute. Ils sont 3 contre 2. Ils sont 3 contre 1. C'est donc la fin du round. 3-0, victoire de Grimaldi Lites. Un combattant qui perd une pièce d'armure obligatoire en lice et bien est automatiquement mis au sol pour défaut d'armure. Ça commence à s'engager de manière plutôt musclée, on va pas se mentir, sur ma gauche. On cherche transversal sur la droite, malheureusement ça n'a pas suffi. Les combattants ne savent plus où donner de la tête. Ça se remet en position. Oh, là, c'est les Ardents et remonté. Première chute à l'initiative du Grimaldi Lites. Ça reste sur l'égalité. Ils sont à 4 contre 4. Et on va avoir un troisième round. La double chute, avantage de 1. Et non, ils sont à 3 contre 3 maintenant. Ça tente de désarmer son adversaire. Eh oui, la bagarre, c'est ça qu'on veut. Et nous voilà dans des combattants très bien entraînés, très bien équipés, très expérimentés. C'est la fin là.
d'accord. Par même à donner un magnifique à Tony Truant, mon joueur. Comme dit mon collègue, Castelnous, c'est salut aux Français, c'est grâce, c'est très connu. Très belle chose. Xavier Volt à toute Berzin, il y a des combattants, les Ardennes, a perdu son arme. Avantage de 1 pour les Ardents, les combattants, beaucoup de points de la part des Grimaldi Vitesse, mais ça n'a pas suffi à l'envoyer au sol. Une douche, un autre chute, avantage de 2 pour les Ardents. Ils sont remontés sur l'avant, les Grimaldi remontent le score, plus qu'un combattant d'écart entre les deux équipes, ça va dans tous les sens. Les combattants sont fatigués, sont exténués, ils ne lâchent rien. C'est pour un tel investissement, une telle vigueur au combat. Après des Ardents, l'autre avait saisi malheureusement. Normalement, stoppé par le capitaine des Ardents. Et voilà le contre-coup qui arrive des combattants qui s'économisent pour mener l'action décisive, celle qui renversera la situation. Un véritable travail de sape qui est mis au niveau des jambes pour faire céder son adversaire. On attend le moment de bascule, celui qui fera la différence, celui qui décidera qui est le vainqueur, qui est le perdant. Le capitaine des Ardents a pas eu son arme et se rééquipe et prend son arme de prédilection. La bouge. Ce sont les côtes adverses qui tremblent. Et celui-là, il a fait mal. Il a fait mal. Il a sonné. Oh, quelle transaction, mesdames et messieurs. Quel coup de hanche. Il leur ressemble le capitaine des Grimaldi Vitesse, celui qui a perdu son dernier mot, bien décidé à venger l'affront de son camarade. Ah, c'est la fin du temps, stop. Stop, stop, stop. Stop, c'est la fin du temps pour ce round. Comptez le score des combattants debout.